Jérusalem, je suis venu tant de fois redire ce poème à ces femmes voilées depuis Mathusalem. Il y a quelque part un Dieu qui prie, qui nous aime. Il y a quelque part un Dieu. Bonjour. Bonjour. Tout d'abord, une question d'ordre signalétique, à savoir si Shirel c'est ton vrai prénom ou si c'est juste ton nom de scène. Bah en fait c'est mon vrai prénom parce que je l'ai choisi. Alors je suis partie en Israël et j'ai choisi un nom hébraïque parce que j'en avais pas. Et donc en 96 j'ai décidé de m'appeler Shirel, qui veut dire le chant vers Dieu. Et on m'a toujours dit que quand on change de prénom, on change de destin, on change de chance. Et je trouve que ce prénom m'a porté beaucoup de chance. Donc je suis très contente de l'avoir choisi. Et c'est mon vrai prénom. Voilà. Ces femmes voilées depuis Mathusalem, il y a quelque part un Dieu qui prie, qui nous aime. Il y a quelque part un Dieu. Comment as-tu su que la musique était ta voix ? Ma voix, eh ben, la musique, parce que j'ai grandi dans la musique, vraiment, parce que ma mère est chanteuse, bon ça les gens le savent, ma grand-mère était chanteuse de jazz, c'est comme ça que nous on a cette voix-là, et puis c'est grâce à elle, et puis j'ai grandi en chantant à table, en sifflant à table, ça faisait partie de notre quotidien, je m'endormais avec, je me réveillais avec ma mère qui chantait l'opéra, donc... À un moment donné, c'était clair que c'était aussi un peu mon chemin et ma voix. Voilà. Ce don pour la musique ? Eh bien, comme disait Jacques Brel, qui est mon chanteur préféré, il n'y a pas de don ou de talent sans travail. Je pense que c'est en travaillant. Je ne suis pas une grande bosseuse, mais quand même, dans la musique, comme c'est une passion, on ne calcule pas quand on aime. Donc, j'ai bien travaillé. J'ai étudié 2 ans dans une école qui s'appelle l'école Rimon à Tel Aviv, et qui est considérée comme une des meilleures écoles, comme Berklee School of Music aux États-Unis. Où j'ai appris le jazz, le solfège, la comédie musicale, des cours de chant bien évidemment. Et puis au fur et à mesure, on travaille encore, puisque Notre-Dame de Paris, ça m'a encore donné un supplément de scène et d'expérience. Et puis au fur et à mesure, on continue à apprendre. Donc c'est qu'en apprenant et en travaillant. Là où mon prénom a pris racine, au cœur du désert qui se dessine, là où la frontière devient si mince que personne n'entend plus les paroles du petit prince. Quels sont tes goûts musicaux personnels ? Alors, j'ai grandi dans le jazz. Ma grand-mère est chanteuse de jazz et j'adore chanter le jazz. C'est quelque chose que j'écoute souvent à la maison. Le classique, parce que pour moi c'est la base de tout et l'origine quand même. Je suis pas très musique orientale, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Mais par contre, ce qui me touche le plus, c'est les années 70. C'est tout ce qui est Joni Mitchell, qui est ma chanteuse préférée. Cat Stevens, James Taylor, des choses qui sont vraiment, qui ont une simplicité, une pureté, comme les choses acoustiques, c'est ce que j'aime le plus, parce que c'est là où on voit un peu de vrai, on ressent le vrai, et donc je me sens attachée à cette musique-là. Voilà. Bon, j'aimerais vous faire découvrir quand même une deuxième passion, parce que je suis très gourmande, donc suivez-moi. Alors, bon, on a des strudels, on a de tout ça, mais je vais quand même vous amener voir comment on fait le pain. Est-ce que tu as une vraie passion pour les comédies musicales ou est-ce un tremplin pour lancer tes carrières solo ? Les comédies musicales, c'est une vraie passion parce que c'est la première chose, ma première rencontre avec la musique, c'était West Side Story, j'avais 5 ans. Puis je regardais cette vidéo et je la re-regardais, je m'imprégnais
de cet univers des comédies musicales. Et puis au fur et à mesure, ça, c'est devenu un peu ma passion et ce que j'aimais le plus voir et après faire, puisque j'ai fait Esmeralda. Puis là, je vais faire Les Enfants du Soleil, donc où je vais encore incarner un rôle qui est très intéressant. Puis j'aimerais, au fur et à mesure des années, et je vais grandir, avoir plus d'expérience, encore avoir des rôles aussi riches que Notre-Dame. Déjà, j'aurais déjà beaucoup de chance. Et parallèlement, faire une carrière solo, bien sûr que ça m'intéresse, mais c'est les comédies musicales, c'est ma première passion dans la musique. C'est ce qui me fait vibrer le plus.